J'ai pas d'idée de vidéo. Salut à toutes et salut à tous, salut au saut de patate. Oui, non, je suis debout, tu vois. J'étais un peu à genoux, j'étais en stade de prière, tu vois. Parce que j'avais envie de bouger un minimum. Et j'ai pas d'idée de vidéo, voilà. Je l'ai dit au début, c'est vrai, mais j'ai pas d'idée de vidéo. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Facebook et chercher des quiz que tu as sûrement déjà fait quand tu te fais chier sur Facebook. Et nous voilà sur le site, voilà, regardez, il y a beaucoup de questions, de quiz. Je suis allé trop bas, je vais devoir flouter, c'est génial. Ah, Jonathan rêve d'aller chez le coiffeur, chez le docteur. Donc première question, hein, est-ce que je préfère le coiffeur ou le docteur? Regarde bien mes cheveux, de plus près, et de plus près. Hein, c'est une tonde, c'est une pelouse. Pour raser ça, ils font une tondeuse à gazon. Donc du coup, je préfère le docteur. Hein, parce que le docteur, c'est un docteur. Jonathan rêve d'aller dans un club de karaoké, dans un club de striptease. Bonne question. Je pencherai plus sur. En même temps, je chante mal, tu vois. En même temps. Oui, en même temps, bon, voilà. Ah, je rêve d'aller à Disneyland ou au Louvre, Disney. Parce que 1 heure à attendre pour une attraction, c'est un truc de ouf. En plus, tu payes genre 20 euros, voire plus. Bon, hein. Je vais pas dans un bar, ni dans des boîtes de nuit, je m'en fous totalement. Dans la bibliothèque ou faire les magasins. Ça dépend. Bon, pour les magasins, ça dépend. Ça dépend si c'est un magasin de jeux et tout. Donc, on va prendre les magasins par doute. On n'est qu'à la sixième question. Camping ou hôtel? Hôtel. Hôtel. Quand même, hôtel. Jonathan rêve d'aller au travail en cours ou chez le dentiste? C'est pas une question pourrie, ça. Parce que j'ai envie de te dire, quand tu vas chez le dentiste, t'as plus de chances de rentrer chez toi et de dire à tes potes, ah, je vous ai niqué parce que moi j'allais chez le dentiste. Ce genre de pote qui est tellement fier de s'être arraché une dent. Au cinéma ou au théâtre? Je préfère le ciné que le théâtre parce que moi je suis pas trop mainstream. Je suis pas cinéma, je suis pas théâtral. Ça veut rien dire, mais je suis pas très théâtral, ok? Je suis pas théâtral, hein? Est-ce que je rêve d'aller à Poudlard ou à la Comté? La Poudlard, tu vois, c'est mieux. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui te fait chier, tu fais Expérianus et. Il y a son trou qui s'élargit. Voilà, ça c'est un test, hein, c'est écrit au-dessus. Si t'es pas. Je sais pas comment finir cette phrase. Et on va commencer tout de suite. Alors, c'est 5 raisons pour faire ta connaissance, pour te faire confiance, pardon. Allez, analyse de ton profil, etc. Voilà pourquoi il faut me faire confiance. Pour Jonathan, la confiance est la clé d'une relation réussie. Jonathan a un comportement pardon, irréprochable. Pour ses promesses, Jonathan fait passer les désirs des autres avant les siens. J'ai vu avant ses seins. Je te promets, avant les siens, j'ai compris, avant ses seins, j'ai pas quoi. Voilà. Voilà, c'est. Mais! Quel genre de désir veux-tu parler, petit test, petit test. Ça, c'est encore à débattre parce que Jonathan a le sens de l'humour. J'ai envie de dire que c'est à vous de juger. Je sais pas comment on fait un sondage, donc je peux rien dire. Donc commentez, commentez. Mettez vrai ou faux, vous commentez, après je réponds. T'inquiète pas. Que j'ai sens d'humour, oui. Hein, on me dit parfois je suis rire, je sais pas comment. Jonathan se confie facilement aux autres. Non. Ah ça, tu ne le savais pas.
Ça, tu le savais pas, tu vois ça. Et tu vas le savoir, tu le sais, tu vois ça. Au moins, tu vois, c'est un test pour mieux me connaître. Voilà, genre, par exemple, Jonathan se met facilement en colère. Si tu me casses vraiment les couilles, je te jure, ça va mal aller. Mais là, non, tu vois, je suis calme. Je joue pas à me faire Mario. Jonathan assume ses opinions même quand ça dérange. Ouais, j'ai envie de dire vrai, mais bon, allez. Jonathan revient jamais sur une décision mûrement réfléchie. Je suis têtu. C'est comme ça. Jonathan a de grandes ambitions dans la vie. Non. Je suis même pas sûr de ce que je vais faire plus tard pour te dire. Jonathan aime les gens qui ont un petit grain de folie. Je veux dire non, parce que c'est pas un petit, c'est un grand grain, tu vois. Un grain légendaire, le Saint Grain. Ah, mais non. Donc, non. Je préfère les gros grains. Sans arrière-pensée, s'il te plaît. Jonathan est gêné quand il faut apprendre la parole. La parole. Quand il faut prendre la parole en public. Non, je suis fait pour être président. Alors, question 14. Quand Jonathan a un but, il met tout en œuvre pour y parvenir. Question. Est-ce que sa question a une réponse plausible? Et quand même, un peu, tu vois. Ça dépend, mais un peu souvent même. Voilà. Question suivante. Jonathan consacre beaucoup de temps aux autres. Tu sais, je le dis, je le lis, comme si vous savez pas lire, tu vois. Mais bon, Jonathan consacre beaucoup de temps aux autres. Bah là, je fais une vidéo, donc je consacre beaucoup de temps pour moi et pour les autres, surtout pour les autres en fait, donc on va dire oui comme ça. Mais en dehors aussi, je consacre beaucoup de temps pour les autres en même temps, donc du coup on s'en fout. Jonathan ne se soucie pas des regards des autres, du regard des autres. Ah, si c'est juste le regard, non. Mais si tu commences à me dire, ouais, tes cheveux c'est moche, là je te jure, je vais pas être bien, tu vois, donc. Ouais, il y a du vrai et du faux, il n'y a pas milieu, il n'y a pas peut-être ou quoi, non, bah non, bah. Ah merde, non, c'est faux. Ah, c'est parce que je voulais, au lieu d'utiliser le pavé, là. Jonathan écoute les conseils qu'on lui donne, oui. Bah oui, parce que si c'est utile et tout ça, mais après, si c'est des conseils de merde, bon, hein, oh, il y a des limites, il y a des limites. Allez. On fait un dernier ou pas? On fait un dernier, mais c'est pas un quiz, tu vois. Là, c'est un test. 5 raisons de se marier avec toi. 1. C'est une question extrêmement intéressante parce que, voilà, donc c'est 5 raisons. Hein, c'est quand même 5 raisons. Donc, je vais vous décortiquer du vrai et du faux sur moi. Je vais pas mentir et tout ça. Ne t'inquiète pas. Ça commence tout de suite, analyse de ton profil, comme si en regardant le profil de quelqu'un, tu peux en déduire comment, voilà, hein, pourquoi il faut se marier avec la personne. Jonathan aime faire plaisir aux autres. Facebook, vous avez un... Non, c'est quoi le nom? C'est quiz truc là, vous avez un problème ou vous me reconnaissez comme ça, juste avec ma tête? C'est mon. Avec Jonathan, on ne s'ennuie jamais. Prépare mon crayon et mon pinceau parce que là il y a quelque chose qui va pas là. Là il y a quelqu'un qui me regarde quelque part, c'est pas possible. Comment tu peux savoir qu'on ne se renie jamais avec moi? Ça c'est flippant par contre. Là je te dis, Jonathan se met jamais en colère. Bon, le mot jamais n'est pas, voilà, il a peut-être fait un global, mais. Non mais il y a toujours le Satanas Ameno, t'inquiète pas. Jonathan se fait. Jonathan, c'est se montrer indulgent. On va peut-être relever le Satanas en fait. Des dizaines de filles rêveraient d'épouser Jonathan. Mais oui, Flantier, mais oui. Regarde le PGM, regarde où est. Regarde son montage, non trucage, c'est vraiment rentré dedans. Je suis le meilleur. On va essayer, attends, on va retester. Il faut que vous voyez ça quand même. Comment je fais? D'accord, attends, on va reculer un peu le bordel. Je vais essayer de mettre le deuxième crayon dedans si j'y arrive. 1, 2, 3.
C'est dedans, ok, nique ta mère. Oh, calme-toi, toi. C'est dedans, nique ta mère. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et c'est extrêmement marrant de parler sur cette boîte, en fait, parce que la boîte, elle est en train de isoler un tout petit peu ma voix, tu vois. Ma vidéo, elle part en couille un peu. J'espère que tu vas t'abonner, liker, commenter, partager, me suivre sur les réseaux sociaux, toujours dans la description comme d'habitude. En même temps, ça pourrait pas être autre part. Sauf Facebook. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. A plus. High five.